الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Maître et chers frères, nous nous réunissons dans cette 13e journée du mois de Rajab 1444, c'est-à-dire le 4 février 2023. Nous continuons notre lecture et étude du livre de Cheikh Mansour al-Bahouti, rahimahullah ta'ala, intitulé Dalil al-Umdatu al-Talib, pardon, dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Et nous avons pu, grâce à Allah Azza wa Jal, clôturer le chapitre relatif au rite du pèlerinage. Et nous allons commencer aujourd'hui, inshallah ta'ala, le dernier chapitre dans la partie du livre consacrée aux ibadat, aux adorations. Donc on avait dit que le livre de fiqh se divise en quatre parties. Donc la première c'est l'ibadat, puis on a l'mu'amalat, de tout ce qui touche aux transactions, donc au déplacement de la propriété d'un bien, si vous préférez, puis ou aussi la jouissance du bien sans pour autant acquérir sa propriété. Puis on a après ce qu'on appelle ahkam ou al-usar, les règles en rapport avec la famille, le mariage, le divorce, la garde des enfants et tout ce qui s'ensuit. Et enfin, on a al-jinayat, tout ce qui touche aux crimes et aux délits, ce qu'on appellerait le code pénal. Et donc, on a, inshallah ta'ala, donc j'espère que ce week-end, on aura clôturé ce dernier chapitre. On aura donc fini la première partie des livres du fiqh, qui est consacrée aux adorations. Puis, il nous restera les trois dernières parties qui représentent la moitié du livre. Donc là, on a fait la moitié du livre. Ça nous a pris un an et quelques. Pas beaucoup plus qu'un an. Et Inch'Allah ta'ala, si Allah il nous permet, je pense qu'il nous faudra aussi un an pour finir le kitab. Bi'idnillahi azza wa jal. Et donc là, on aura passé une étape dans le tafaqquh, qui est donc d'avoir une connaissance globale du mashhur, de la vie officielle de l'école, sur l'ensemble des chapitres du fiqh. Puis après, Inch'Allah ta'ala, on passera à un autre livre qui sera plus détaillé que celui-ci, toujours dans le mashhur du madhab. Donc Inch'Allah ta'ala, on aura donc accès à plus d'informations, toujours en revenant sur les mêmes chapitres, mais cette fois plus développés. Et petit à petit, on avance ensemble dans le fiqh jusqu'à ce qu'Allah nous permette de devenir des fuqaha. Et c'est là l'intention qu'on doit tous avoir, mes frères, on doit tous être motivés. Et surtout, on doit être ambitieux. Et en parlant de ça, il y a certains frères qui me disent ressentir en eux-mêmes une certaine gêne quand ils voient de la part d'autres frères une motivation qui a l'air plus importante que la leur. Et ça, c'est normal, ça. On n'est pas tous au même rang sur la motivation, on n'est pas tous au même rang sur l'assimilation des connaissances, tout comme on n'a pas tous les mêmes facilités d'évolution. Mais cette différence-là doit servir de combustible à la motivation, justement. Et il y aura toujours dans les groupes, dans les classes, où que vous vouliez, des différences entre les participants et les élèves. Il y en a même des fois qui vont s'asseoir juste pour écouter, sans pour autant retenir quelque chose. Il faut garder en tête que le minimum dans la participation à ces assises, c'est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, humul julasa, la yashqa bihim jalisuhum. Jamais un participant à ces assises ne sera malheureux. Sa simple présence suffit pour qu'il bénéficie des récompenses. Ensuite, l'ibra, la finalité, ce n'est pas commenter pendant le dars, c'est comment tu seras après le dars. Et qu'est-ce que le dars va faire naître en toi comme bonne chose? Parce que cette science, c'est un argument pour nous ou contre nous. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et n'oublions pas non plus que le premier qui servira de combustible pour l'enfer le jour de la résurrection, c'est un savant. Donc, le maqsoud, ce n'est pas kathrat l'ihtimam ou kathrat l'ma'loumat. Ce n'est pas la motivation, l'intérêt qu'on donnera à la science ou le nombre de connaissances qu'on emmagasinera. Mais c'est l'intention qu'on a et qu'est-ce qu'on fera avec après. C'est ça qui compte. Souvenez-vous de Ma'ruf al-Karhi, rahmatullahi alayh. C'était un vertueux,
un homme pieux à l'époque de l'imam Ahmad, rahimahullah, et les élèves de l'imam Ahmad, ils lui ont demandé à l'imam Ahmad, qu'est-ce que tu penses de lui? Il a dit, rajulun salih, c'est un homme vertueux. C'est comme si un des participants, il a éprouvé du mépris vis-à-vis de lui. Comme quoi, ma kana kathira al-ilm. C'était pas quelqu'un qui avait beaucoup de science. Et même Ahmad, rahimahullah ta'ala, il lui a dit, wa hal yas'a ahaduna fi talabihi lil-ilmi illa ila an yablugha ila ma balagha ilayhi ma'ruf. Il lui a fait comprendre que ce qui compte quand on étudie la science, c'est ce vers quoi on tend. Il dit, nous ici, enfin, c'est ce qu'il leur disait à eux, nous ici, on est tous là pour arriver là où Ma'ruf al-Karkhi est arrivé. Oui, peut-être qu'il avait moins de science, mais il est arrivé quelque part où celui qui a de la science, il doit arriver aussi. Donc il faut bien garder ces choses en tête. Et comme tout, comme la foi, ça augmente, ça descend, la motivation aussi. Un jour elle augmente, un jour elle descend. Et justement le fait de rester ensemble et de voir les différences au niveau des élèves doit être aussi un moteur pour qu'on se motive les uns les autres. Donc il ne faut pas être triste, il ne faut pas laisser Shaitan rentrer par cette porte-là, il faut la laisser fermer. Si on voit que les autres sont plus motivés que nous, ou bien si on voit qu'ils réussissent mieux à retenir ou à apprendre, ou j'en passe et d'autres, ou qu'ils font plus d'efforts, c'est un fadl qu'Allah donne à qui il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est demander à Allah de nous donner de sa grâce aussi et se motiver en faisant en sorte d'avoir une bonne intention et en faisant en sorte d'appliquer cette science qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on se distinguera les uns des autres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas par le reste. Wallahu a'la wa a'la. Tfadal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله كتاب الجهاد: الجهاد فرض كفاية ويجب إذا حضره أو حصر بلده أو استنفره من له استنفاره وسن رباط وتمامه 40 يوما ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما ويتفقد إمام جيشه عند مسير ويمنع مخذلا ومرجفا ونحوه ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو بلا إذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه وتملك غنيمة باستناء ولو بدار حرب وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال فتخمس ثم الخمس سهم للمصالح وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ثم يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل للرجال سهم وللفراس ثلاثة والغل يحرق رحل للراجل عندك بالألف؟ نعم أي نعم للراجل أيوة للراجل سهم وللفارس ثلاثة نعم والغل يحرق رحله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح ويخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده ويجري فيها الميراث ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يداه عنه وما أخذ من مال كفار بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما تركوه فازعا ففيء يصرف في مصالح المسلمين الأهم فالأهم. أحسن الله. كتاب الجهاد. Donc on a dit que nous sommes toujours dans Rub'u al-Ibadat, dans le quart des adorations, et al-Jihad rentre dans les adorations. Al-jihad, c'est masdaru jahada wa huwa al-mubalaghatu fi qital al-adu. Donc le verbe jahada, qui à la base vient du verbe jahida, qui veut dire s'efforcer ou se fatiguer dans l'accomplissement d'un acte. Et jahada avec le alif, ça indique l'exagération dans le fait de s'efforcer. Et on appellera donc jihad ou mujahada à la base le fait de combattre son ennemi.
le fait de combattre son ennemi. Puis, shar'an, huwa qitalun, al-kuffar, c'est le fait de combattre les ennemis donc d'Allah Azza wa Jal et de son messager, alayhi salatu wa salam, parmi ceux qui n'ont pas cru en Allah Azza wa Jal. Ensuite, ça c'est la définition que les fuqaha donneront au djihad, même si sa définition est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, dans Zad al-Ma'ad, il évoque une bonne dizaine de sens différents au djihad, shar'an, et pas lughatan. On parle bien de shar'an. Il y a des sens différents au djihad, ou plus précisément, pas des sens différents, mais des catégories qui viendront se rajouter à celles qu'on a évoquées. Donc, il y a le djihad vis-à-vis des parents. Quand Rasoul il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui voulait partir avec lui justement combattre, il lui a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit, na'am. Il a dit, idha irji' ilayhima fafihima fajahid. Fafihima fajahid. Retourne auprès d'eux et en eux, jahid. Comment on traduira jahid? Combattre? Non. Ça ne veut pas dire combat en eux. Il fournit tes efforts dans le comportement que tu dois avoir vis-à-vis d'eux. Ou encore dans le Coran, encore une fois quand Allah Ta'ala parle des parents, mais cette fois dans l'autre sens, il dit « Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun. Wa in jahadaka. » Dans quel sens? S'ils font tout en leur pouvoir pour que tu associes à Allah Ta'ala ce en quoi tu n'as pas de science, « Fala tuti'huma, ne leur obéis pas. » Ou encore le verset où Allah Ta'ala il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam dans la période mécoise de faire le djihad, alors que on sait très bien qu'aucune guerre ni combat n'est légiféré dans cette période-là. Il a dit Azza wa Jalla, fala tuti' al-kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Et quand il parle de djihad ici, c'est le djihad bil Qur'an. C'est-à-dire comment tu vas avec le Qur'an débattre avec eux et les convaincre avec les preuves et les arguments irréfutable et irrévocable. Ou encore, quand Allah Ta'ala il dit « Ya ayyuhan nabi yujahid il-kuffara wal-munafiqin wa-ghluz alayhim » Donc Allah il ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de combattre les mécréants et les hypocrites, et on sait que le prophète n'a jamais combattu les hypocrites. Donc on comprend ici que le djihad qui lui est ordonné est différent et se fournit, donc s'accomplit, pardon, d'une façon différente. Donc il est important de cerner le sens voulu dans lorsque le mot il sera employé dans le texte. À quoi est-ce qu'il fait référence. Al-Muhim. Et donc c'est une adoration, et c'est l'adoration qui dans les nawafil, dans les actes surérogatoires, chez l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sera la plus importante. En gros, l'adoration qui, lorsqu'elle sera accomplie de façon facultative, non obligatoire, qui donnera le plus de récompenses, c'est el-jihad. Puis tout ce qui touche autour du jihad, et après on avait vu talab al-ilm, la demande de la science. Sinon, quel est le jugement du jihad? L'auteur dit, rahimahullah, fardu kifaya. On a déjà vu ensemble que fardu Al-Kifaya, c'est donc une obligation liée à la suffisance. Al-Kifaya du verbe kafa yakfi. C'est-à-dire que lorsque idha qama bihi man yakfi, lorsqu'une quantité suffisante s'en charge, saqata anil akharin, ce n'est plus obligatoire pour les autres. Après, ça c'est la définition générale de fard al-Kifaya. Et ensuite, en fonction de l'adoration, lorsque le nombre suffisant sera atteint, l'adoration restera recommandée pour le reste. Mais je dis bien en fonction de l'adoration. Pourquoi مثلاً, l'adhan, l'appel à la prière, c'est fard kifaya. Maintenant, si quelqu'un il le fait à la mosquée, est-ce que ça reste mustahab pour les autres? Non, on ne va pas demander à tout le monde de faire l'adhan. Ce ne sera pas le cas. Donc tout dépend de l'adoration qu'on visera. Donc fardu kifaya, premièrement. Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Il n'appartient pas aux croyants de tous partir, combattre. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
La'allahum yahdharun. Donc si une partie d'entre eux reste pendant que les autres partent, afin de s'instruire dans leur religion, et ainsi informer leurs frères quand ils rentreront chez eux. Thumma qala wa yajibu. Mais dans quatre cas, plutôt trois cas pardon, que l'auteur cite, il est fard ayn. Il devient donc obligatoire à titre individuel pour tout le monde. Wa yajibu idha hadarahu. Yani lorsque tu es présent et que la guerre et que la bataille est entamée, alors il deviendra obligatoire pour toi d'y participer. Lorsque la bataille est entamée et que tu es présent lorsque la bataille fait rage. Ou bien, même hatta, avant même qu'elle ne commence, mais dès lors que les deux rangs se font face et que tu es présent, tu dois y participer. Aw husira baladuhu. Aw husira baladuhu. On a vu que le hisar, c'est l'embargo, le blocus, lorsque ta ville, elle est encerclée par l'ennemi. Ta ville ou ton pays est encerclée par l'ennemi et que donc tu es dans cette ville-là, eh bien tu devras obligatoirement participer à la bataille pour repousser l'envahisseur. Awistanfarahu man lahu istinfaruhu. L'istinfar, c'est le fait d'appeler à sortir. D'appeler à sortir. Talabu al-khuruji lil-qital. C'est le fait d'appeler les gens à sortir combattre. Mais là, il donne une précision importante. Il dit man lahu istinfaruhu. Yani celui qui a cette fonction d'appeler les gens. Ça veut dire quoi? C'est pas n'importe qui appelle les gens à sortir combattre. Ça, c'est un détail qui est important, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, des gens, ils sortent de nulle part, ils arrivent sur Internet, ils font des vidéos, ils appellent au djihad et les gens, ils partent. Mais cette personne-là, Aslan, quelle est son autorité pour appeler les gens au djihad? Et l'autorité, elle doit être respectée. Quand bien même on n'est pas satisfait de l'autorité ni officielle actuelle, quand bien même on aurait des désaccords avec eux sur leur façon de gérer les choses, on ne doit pas suivre le premier venu. C'est celui qui a une autorité shar'an qui peut appeler les gens à sortir. Mais celui qui n'en a aucune, il ne doit pas être écouté et ne doit pas être suivi. Quand bien même cette personne-là qui apparaîtrait, on verrait d'elle des qualités qui nous pousseraient à estimer qu'il est digne de cette fonction-là, si il n'a pas cette fonction en respectant les conditions que la législation d'Allah Ta'ala a imposées, il n'a pas d'autorité. Donc tout ce qui s'est passé dernièrement, ces dernières années, où on a eu ce genre de choses-là, et les gens ils sont partis donc dans ces pays-là, ils s'y sont installés, puis ils sont morts, puis il s'est passé des choses terribles et horribles par la suite. Et aujourd'hui encore, on a le cœur qui se serre quand on voit des images de femmes bloquées dans des campements, dans des tentes, avec des enfants qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas de vêtements pour se couvrir, qui souffrent le martyr, et qui supplient presque, pas toutes, alhamdoulilah, mais qui supplient les pays qu'ils ont fui de les reprendre. Donc là, quand même, il y a un comble dans ce qui s'est passé. Alors, ils sont partis en maudissant ces pays-là, et maintenant, ils les supplient de les reprendre. C'est quoi ça? Puis on verra après que, justement, on ne doit pas ramener femmes et enfants dans un pays comme ça. Et les gens, ils sont partis avec leurs femmes et leurs enfants, et puis ils ont fait tout et n'importe quoi. Et des femmes, elles sont parties toutes seules. On leur a promis qu'ils se marieraient, qu'elles se marieraient sur place avec des gens, et sont mariés, mais il s'est passé des choses, voilà, si vous saviez ce qui s'est passé, des choses horribles. Et résultat des courses, une catastrophe. Des gens qui sont partis là-bas, qui sont morts sur place, des gens qui étaient jeunes, qui avaient la vingtaine, ou bien des fois un peu plus âgés. Fawda. Résultat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a plus rien. Donc, il ne faut jamais se faire, comment dirais-je, charmer par les appels. C'est un peu comme les révoltes contre les gouverneurs. Et quand on parle des gouverneurs, quand on parle de la légitimité des gouverneurs, quand on parle du jugement des gouverneurs, il faut bien réfléchir à ce que ça va engendrer chez les gens par la suite.
Parce que quand on sème dans le cœur des gens la haine vis-à-vis des gouverneurs, ou bien on leur apprend depuis leur plus jeune âge, c'est des mécréants, faut pas leur obéir et tout ça, d'accord. Et bien le jour où quelqu'un il appelle à se révolter, tout le monde court. Et après, qu'est-ce qui se passe? La fawda, l'anarchie. Ce gouverneur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son armée. Puis après, l'armée va combattre les gens dans la rue. Puis après, les gens vont mourir. Et à la fin, qu'est-ce qui va rester? Le gouverneur en question. Et encore, une situation encore pire qu'il y avait au départ. Donc, il faut faire la part des choses entre les jugements d'ordre légal et la procédure à suivre comme elle a été légiférée et les sentiments et ce qu'on peut ressentir vis-à-vis de ce qui se passe. Oui, c'est vrai que on voit des choses qui font mal au cœur, des choses qui nous font de la peine, qui nous rendent tristes et autres. Voilà, mais c'est pas comme ça qu'on les règle, ces choses-là. C'est pas comme ça. Il y a plein de choses qui se sont passées. Nous, on arrive à la fin, on regarde juste le tableau au final, et puis on donne un constat. Alors que tu ignores, toi, tout ce qui s'est passé avant. Et toutes les étapes par lesquelles les gens sont passés pour arriver là. Et si on réfléchissait bien à ces fameuses étapes-là, on comprendrait justement pourquoi on en est arrivé ici, et on comprendrait alors que ces façons de faire radicales, de sortir dans la rue, se révolter, de partir combattre, prendre les armes, de cette façon-là, n'est pas correcte. Et la preuve, c'est quoi? Ben, c'est le résultat. Quand c'est confus, quand c'est comme si t'étais dans le brouillard, un brouillard épais, tu peux pas prendre le risque de marcher alors que ça se trouve, il y a des trous. Ça se trouve, il y a des obstacles dangereux. Tu peux te blesser, tu peux tomber, tu peux mourir, il peut t'arriver un milliard de choses. Le aqil, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il s'assoit, il attend que le brouillard se dissipe, et quand les choses deviennent claires, il sait où partir. C'est comme ça que le aqil, il doit agir. Mais quand tu arrives, toi, et qu'il y a des gens qui arrivent sur Internet et qui disent « C'est bon, maintenant, on a une terre, on a un pays, on a un État, on a un calife. » On a un calife. Mais frère, comment est-ce qu'un calife, il devient calife? Ça aussi, il y a des ahkam, ça aussi, il y a des règles. Tu peux pas, toi, c'est moi le calife, les frères, vas-y. Ça marche comme ça? Ça marche pas comme ça. Ce serait trop facile, sinon. N'importe qui, n'importe où, il se autoproclame calife, et puis c'est parti. Là, c'est pas comme ça que les choses se font, et il faut surtout pas se précipiter. Et c'est malheureux qu'aujourd'hui, à cause de la psychose qui tourne autour du djihad chez les Occidentaux, on doit faire attention quand on aborde ce genre de sujet. Alors que si justement on le faisait ouvertement et publiquement dans les mosquées aux musulmans et qu'ils l'entendraient de cette façon, eh bien ils se rendraient compte, ces fameux occidentaux qui en ont peur, que c'est le seul moyen de, inshallah, régler les choses. Walakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-muhim. Thumma qala wa sunna ribatun. Puis après il parle de al-ribat. Al-ribat, là-bas, ça vient du verbe rabata, qui veut dire s'accrocher. Et al-ribat, c'est lorsque l'on va se rendre généralement aux frontières du pays, dans le but de protéger ces frontières-là des ennemis ou des envahisseurs. Et donc, pourquoi on appelle l'endroit où on va se rendre ribat? Parce qu'on va s'y accrocher, on va y rester une certaine période. D'où le lien entre al-rabt, le fait de s'accrocher à une chose, et al-ribat. C'est une sunna, dans le sens où le fait de se rendre sur place et d'y rester une certaine période et d'y monter la garde, c'est une sunna dans le hadith de Salman, radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر بوقيامه فإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. Il dit, عليه الصلاة والسلام, que le fait de monter la garde une nuit dans le sentier d'Allah est meilleur que de jeûner un mois et de prier ces nuits. Si jamais il meurt alors qu'il est en train de monter la garde, eh bien, les actions qu'il accomplissait avant de mourir, il continuera à obtenir les récompenses de ces dernières. Et il continuera de recevoir sa subsistance, comment? Allahu a'lam. Et il sera à l'abri du fattan, de l'ange
dans la tombe qui éprouve le musulman. Rawahu Muslim. Donc, le minimum, sa'a, comme disent les fuqaha. Une heure, c'est le minimum pour Ar-Ribat. Qala wa tamamuhu arba'una yawma. Et la période complète, la période parfaite, c'est 40 jours. Comme cela a été rapporté dans certains ouvrages. Et bien entendu, la récompense du murabit, vous savez, dans certains pays africains, on a le mot marabout. Marabout, ça, c'est un dérivé de murabit. Et dans les pays musulmans, quelle que soit leur origine, on appellera le shir avec un terme différent. Maintenant, au Maghreb, le shir, on l'appelle le fqih, le faqih. Au Mashriq, on l'appelle sheikh. En Égypte, généralement, il l'appelle oustaz. Quand tu vas dans les pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, il l'appelle maoulana. Et dans certains pays d'Afrique centrale, marabout, yani murabit. Donc nous, aujourd'hui, quand on pense au marabout, on voit un mec avec une boule de cristal qui te dit « t'as perdu tes clés, je peux te retrouver ». Mais bien entendu, ça, c'est malheureusement un dérivé contemporain, mais à la base, quand les frères, les musulmans d'Afrique centrale, ils visaient, ils parlaient d'un savant, ils l'appelaient le murabit, et puis avec la darija, avec le dialecte local, ça s'est dérivé en marabout. Et donc le murabit, c'est celui qui fait le ribat. Et il aura donc une récompense différente en fonction du danger sur place. Et plus le danger est important sur place, plus forcément la garde qu'il montera, elle lui apportera plus de récompense. Tu vois, dans le charh, il dit « Wa kuriha naqlu ahlihi ila makhouf ». Il est détestable de ramener sa famille dans un endroit où on craint pour soi. Là, on parle du murabit. Le murabit qui va se rendre au thurur, yani aux frontières, et qui pourrait craindre une quelconque attaque. Qu'est-ce qu'on doit dire alors de celui qui ramène sa femme et ses enfants sur le champ de bataille? Taïb. ثم قال رحمه الله ومن أبواه مسلمان لا يتطوع بجهاد إلا بإذنهما. Puis on rentre est-ce qu'on a besoin de l'autorisation de quelqu'un pour partir? Pour partir donc soit sur aux frontières pour monter la garde ou bien pour partir au combat. Il est celui dont les parents sont musulmans. Les deux parents sont musulmans et libres. Hurran, c'est un qaïd muhim. N'aura pas le droit de faire un djihad tatawwu'. Qu'est-ce que c'est tatawwu'? Il est bénévole. Bénévole dans quel sens? Ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc tatawwu', ce sera un des synonymes de recommandé, de facultatif. Donc ça veut dire, première condition, que les deux parents soient musulmans. Deuxième condition, que le djihad pour lequel il veut partir soit facultatif et pas obligatoire, soit bénévole. Alors il aura l'obligation d'obtenir leur permission. Ce qui veut dire que si il ne lui accorde pas, leur obéissance primera sur le fait de partir. Est-ce que ça marche si un des deux parents il est musulman? Ça marche aussi. Donc lorsqu'on demande l'autorisation des deux parents, et dans le cas où un des deux parents n'est pas musulman mais l'autre il l'est, eh bien à partir du moment où un des deux parents il est musulman, on devra aussi avoir son autorisation, sa permission. Et on comprendra donc que si les deux parents ne sont pas musulmans, ou que si le djihad est obligatoire, qu'on se passera de leur permission et de leur autorisation. Il y a une qaïda qui dit les obligations à titre individuel se passent de permission. Quand c'est obligatoire pour toi, tu ne demandes pas la permission. Comme le hajj, à partir du moment où tu rentres dans les conditions de l'obligation et qu'il devient donc obligatoire pour toi, tu n'as pas à demander la permission à tes parents.
Comme au Maghreb, malheureusement, il y a cette mentalité chez beaucoup de gens. Moi, mes parents, ils ne sont pas partis, j'y vais pas. Adaralat kabir. C'est une grosse erreur d'agir ainsi. Ce n'est pas en rapport avec tes parents. Tu rentres dans l'obligation, tu dois alors t'y rendre. Mais il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont payer d'abord le hajj à leurs parents et ensuite ils vont y aller. Là, hada kadalika batil. Kadalika, si quelqu'un il est endetté et qu'il donc veut partir pour un djihad tatawwu' bénévole, il ne partira pas sans la permission de son créancier. Si le créancier lui permet de partir, même s'il ne lui a pas remboursé, il pourra partir. Si par contre, il dit, non, tu me rembourses d'abord, alors il devra d'abord rembourser son créancier avant de partir. Et encore une fois, on répète dans ce qui n'est pas obligatoire. ثم قال ويتفقد إمام جيشه عند مسير. Regarde l'importance de lire dans les livres, dans les majalis. Parce que moi, dans ma nusra, j'ai وَلَا يَمْنَعُ مُخَذِّلًا. لَا يَمْنَعُ. Ne l'empêche pas. Alors que dans la nusra sahiha, يَمْنَعُ. Il doit l'empêcher. On va l'expliquer après. Tu vois, ils ont rajouté carrément la négation. Là, ça change le sens totalement, l'opposé. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux nusakh, aux éditions des livres que vous lisez. Et généralement, le meilleur moyen, c'est de comparer les nusakh quand il y a plusieurs éditions du livre. Et aussi de les lire avec justement des gens qui connaissent le bon sens voulu. Alors, yatafaqadu imam. Attafaqud huwa an-nazar fil ahwal. At-tafaqqud, ça vient du verbe faqada qui veut dire perdre. Et tafaqqada, c'est l'inverse. C'est rechercher. Notamment rechercher, bon, en rapport avec le sens initial, quelque chose qui pourrait être perdu. Dans le hadith, kana ar-rasul yatafaqqadu ahwal ashabihi. Ou yatafaqqadu ashabahu. Après la prière de l'Fajr, il se retournait, il regardait dans les rangs, et il cherchait celui qui manquait. At-tafaqqad, il cherchait celui qui était perdu. Et quand il voyait quelqu'un qui était absent, Aïna Foulan, Madafa Ala Foulan, il est où un tel? Ah, il est malade. Ah, il est malade, Yallah, on va aller le visiter. Il est occupé, qu'est-ce qu'il a? Il a besoin d'aide, venez valider. Wa hakana kana yaf'alu alayhi as-salatu was-salam. Donc, l'imam, quand on parle de l'imam, donc c'est le chef, celui qui a l'autorité dans tout ce qui touche à l'armée et tout ça, il devra obligatoirement regarder dans l'armée. يتفقد جيشه عند المسير أو عند مسير. Quand l'armée elle est composée et qui s'apprête à se déplacer, l'imam devra d'abord regarder dans les rangs de l'armée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi il regardera les soldats? ويمنع مخذلا. Pour chercher dans l'armée différents types de personnes. Là, l'auteur il en a cité deux. Il a parlé du مخذل et du مرجف. المخذل, c'est celui qui décourage les gens de partir. C'est celui qui va tout faire pour les dissuader, pour les effrayer et pour leur enlever l'envie de partir. Al-Mukhazil. Wa ma akthara al-Mukhazilin al-Yawm. Donc si jamais il entend qu'un tel, il dit aux gens, hey, t'as vu, c'est chaud, t'as pas peur de mourir, tes enfants ne vont pas te manquer, imagine si t'arrives quelque chose. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis après, finalement, je vais rentrer chez moi. Donc s'il y a quelqu'un comme ça dans l'armée, on doit le retirer. Wa murjifan. Al-murjif, c'est celui qui va chercher les informations de ce qui se passe sur le champ de bataille et qui va informer les soldats qui sont sur le point de partir d'informations qui vont, qui ne sont pas dans l'intérêt des musulmans. Ouais, dans telle contrée, il y a telle armée qui s'est fait battre par l'ennemi, et des choses de... Ou bien, dans telle contrée, l'armée, ils avaient pas assez de combattants, donc ils ont perdu. Ou dans telle contrée, c'est celui qui rapporte les informations qui vont décourager les gens de partir. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est un gros problème. Ce problème de surconsommation de l'information qui, justement, enlève à tout le monde l'envie de faire quoi que ce soit. Ah, laisse tomber. Ah, ça marche pas. Un tel, il a essayé, il n'a pas réussi. C'est pas la peine de perdre mon temps, que je perde mon argent, que je perde quoi que ce soit.
je préfère rester chez moi et ne rien faire. Donc dans Al-Murjif, dans Al-Aya, Allah Ta'ala dit la illam yantahi al-munafiquna walladhina fi qulubihim maradun wal-murjifuna fil madina. Donc ce sont ceux qui vont dire à l'extérieur, c'est ceux qui rapportent les informations à l'extérieur dans le but de dissuader les gens de participer à la bataille. ثم قال ونحوه et autres. Donc ce n'est pas les seuls. Donc il y a le Mukhazil, il y a le Murjif et il y a les autres. Pour revenir au Mukhazil et au Murjif, il faut savoir que Talabul Ilm, c'est un djihad. Parce que c'est un effort qu'on fournit, difficile, pour apprendre la science. Et dans ce sens-là, les ulama ont fait beaucoup de qiyas, de aqiyisa, d'analogie, entre Ahkam al-Jihad et Ahkam Talab al-Ilm. Entre les règles relatives au djihad et les règles relatives à la demande de la science. On avait vu ensemble même que dans Zakat, Zakat al-Mal, on pouvait donner Zakat al-Mal à Talab al-Ilm. Ou bien on avait vu dans certains cas que rentre dans les dépenses nécessaires le fait d'acheter ses livres. Et que ça peut même être un moyen de plus répondre à l'obligation, par exemple pour le pèlerinage, si jamais Mathalan je dois acheter des livres, ou bien mettre de cette somme-là de côté pour partir, j'achète mes livres. C'est une priorité. Et Al-Muhim, eh bien, de la même façon, le Mukhazil. Donc imaginons un cheikh, il donne des cours à ses élèves. Donc de la même façon, yajibu alayhi an yatafaqadahum. De la même façon, il doit les observer, les regarder, les connaître, faire connaissance avec eux, et aussi être au courant de ce qui se dit dans le groupe quand lui il est absent. Et est-ce qu'il y en a un parmi eux qui fait le tahdhil? Genre, il y en a un et il voit, je sais pas moi, un frère parmi vous, il apprend tel livre par cœur. Il fait, quoi t'apprends ce livre-là par cœur? Ben, tu dis parce que, ben ouais, parce qu'il faut apprendre par cœur, c'est ça, t'as la même fois. Ah, laisse béton, ça, rien. Tu perds ton temps. Tu crois que tu veux donner un savant, toi? Ben arrête de rêver, tu crois que vraiment. Et tu sais, des gens comme ça, il y en a plein. Lui, il n'arrive pas. Alors, au lieu de se dire, hein, machallah, mes frères, ils y arrivent, je vais faire de apuro, je vais leur faciliter, je vais les aider, lui, il fait l'axe. Il dit, si j'arrive pas moi, personne ne va y arriver. Alors, il va le voir et puis il lui dit, tu crois que tu veux devenir un savant, toi? Tu veux devenir un savant, toi? Il dit, oui, bien sûr. Voilà, ouais, je vais en devenir un. Alors, armé un fik. Voilà, oui, je vais en devenir un, Inch'Allah Azza wa Jal. Si Allah il le veut, je vais le devenir. Et si on apprend que dans un groupe il y a des gens comme ça, tu t'assois pas avec nous, toi. Quelqu'un qui récite, hein? Imagine. Ça, c'est un bruit de moto. Non, c'est la torche en tuyau. Ah oui, ça y est. Je dirais que c'était quelqu'un qui récitait. Je récite bien le frère, machallah. Oui, donc si jamais le professeur il bague dans la classe, c'est quelqu'un comme ça, ou dans quelqu'un comme ça, il faut l'éloigner, et comme il a dit aussi. Donc, wanahwahu, kadalika, on peut rentrer dedans, al-jawasis. Jawasis, les espions. Hein, celui qui va observer justement les ordres donnés, l'avancée de l'armée, et il a akhirihi, et pour informer l'ennemi. Ou bien le fattan, c'est celui qui va semer le trouble et la discorde au sein même de l'armée. Donc si le chef ne peut pas le faire parce qu'il y a trop de monde, et ça demanderait trop de temps, il va désigner des urafa, des khubara, des gens dans l'armée, qui, justement, joueront ce rôle de reconnaître les gens visés par ces choses-là pour l'informer par la suite. Kadal est cas parmi les choses que l'imam il doit faire. Il doit, donc en faisant attention à ce qu'il y ait des espions chez lui, qui iraient informer l'ennemi, il doit aussi envoyer des gens chez lui, là-bas, pour espionner. Al-Harbu, Khud'a kama ja'a fi Al-Hadith, la guerre, c'est une succession de trahisons. Et ça fait partie des cas où le mensonge, il est permis, voire même obligatoire. ثم قال رحمه الله ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. Donc ça, c'est l'obligation de l'imam, du chef. Maintenant, quelle est l'obligation du soldat, de l'armée? Premièrement, l'obligation de lui obéir.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, désignait toujours un chef lorsqu'il envoyait des saraya, des escadrons. Et même, il nous demandait, quand on voyage, de désigner un chef à qui on doit obéissance. Donc, si il y a un chef, une autorité donc reconnue officiellement, elle, l'armée se doit de lui obéir. Et bien entendu, toujours, fima, la ma'asiyata fihi. Donc, bien entendu, tant que l'ordre ne contient pas de désobéissance envers Allah Azza wa Jal. Il y avait un hadith comme ça avec un sahabi, enfin, un groupe de compagnons, et le. Ils se sont arrêtés la nuit pour se reposer. Amir leur a dit, je suis votre Amir ou pas? Ils ont dit oui. Vous me devez obéissance ou pas? Ils ont dit oui. Il leur a dit, allez chercher du bois. Ils ont été chercher du bois. Quand ils ont cherché le bois, il leur a dit, allume un feu. Et ils ont allumé le feu. Alors, après avoir allumé le feu, il leur a dit quoi? Rentrez dedans. Jetez-vous dans le feu. Après, ils ont dit, Arhamukallah. Dieu qu'Allah te fasse miséricorde. Et est-ce que nous, on est rentrés dans l'islam, si ce n'est pour en échapper au feu. Et toi, tu nous demandes de rentrer dedans. Puis après, bien entendu, ils n'y sont pas allés. Et en rentrant auprès du prophète, alayhi wassalam, le sahabi en question, il a été le voir, il leur a raconté ce qui s'était passé. Et le prophète, il a dit, s'ils y étaient rentrés, ils n'en seraient jamais sortis. Alors, s'ils avaient obéi jusqu'à se jeter dans le feu et jusqu'à en mourir, c'est-à-dire qu'automatiquement, ils seraient allés en enfer et ils ne seraient jamais sortis du feu pour l'éternité. Et c'est là donc là la ta'ata li makhluq qui fait ma'siyati al khaliq. Il n'y a pas d'obéissance envers une créature qui impliquera une désobéissance envers le créateur. Et donc, quand on dit qu'on doit leur obéir, on doit aussi être de bons conseils pour eux, un yani franc dans cette obéissance, et faire preuve de franchise, les conseiller quand une chose elle est mal faite, ou bien quand une chose pourrait être mieux faite, on va leur dire. Et wa sabr ma'a. Et on doit patienter avec eux. Parce qu'il est possible que ce chef-là n'utilise pas les bons procédés, ou bien il est possible qu'il soit inexpérimenté, ou bien il y a un milliard de scénarios possibles, ce qui va rendre le fait d'être avec lui, de lui obéir, difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on peut en être déchargé. On doit continuer à le faire, et on doit donc aussi patienter avec lui. « قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui détiennent les commandements parmi vous. ولا يجوز الغوز الغزو بلا إذنه. Donc encore ça vient ce que je disais tout à l'heure. لا يجوز الغزو إلا بإذنه. On n'a pas le droit d'attaquer, de lancer donc l'offensive sans sa permission. Et là imagine-toi, on est dans l'armée et il y a le chef avec nous. Et on ne doit pas de notre propre initiative se lancer dans la bataille tant qu'il ne l'a pas permis. Il faudra donc attendre qu'il lance l'ordre pour pouvoir l'exécuter. Illa, sauf an yafja'ahum aduun yakhafuna kalabah. Sauf s'ils sont surpris par un ennemi dont ils craignent le mal. Le kalab bima'na ash-shar. Donc à ce moment-là, s'ils ne peuvent pas attendre que l'imam leur donne l'ordre, ils pourront lancer la défensive ou l'offensive, même s'ils n'ont pas sa permission. Donc à moins d'être surpris par l'ennemi et que ce dernier témoigne son intention de nous faire du mal, on ne doit pas lancer les hostilités sans la permission du chef. Mais si on est surpris par eux, alors on peut le faire. Et bien entendu, dans Sharh, c'est pas dans le matin. C'est pour ça que justement, je vous disais tout à l'heure que le fait de passer d'un livre à un autre, c'est pour passer des masaïls qui ne sont pas évoqués dans les livres qu'on fait forcément. Et par exemple, dans le Sharh, il va nous dire وَلَا يَجُزُ قَصْدًا قَتْلُ صَبِيٍّ وَمْرَأَةٍ وَخُنْثَ وَرَاهِبُ وَشَيْخٍ فَانٍ وَزَمِينٍ وَأَعْمَى وَلَا رَأْيَ لَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا وَيَكُونُونَ رِقَارِقَاءَ بِالسَّبِيلِ. Il dit qu'il n'est pas permis, intentionnellement et volontairement, de tuer des enfants, de tuer des femmes, de tuer des khunsa. Ah, le fameux khunsa. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. De tuer un rahib, un moine, quelqu'un qui s'adonne à l'adoration dans sa religion.
un vieillard, Shaykhin Fanin, Zamin, un paralysé, dont on craint aucun mal, un aveugle, voilà, wa mal la ra'yala, et ceux qui n'ont pas d'avis sur ce qui se passe. Alors moi, je suis avec personne, moi, laissez-moi tranquille. Et donc, ces gens-là ne doivent pas être combattus, et ainsi de suite. Et ça, pareil, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, si ces règles-là étaient enseignées aux musulmans, et qu'ils savaient comment les choses doivent se faire, on ne serait pas confronté aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, malheureusement, assez régulièrement, de gens qui sortent de chez lui avec une hache et qui tapent tout ce qu'ils trouvent. Ça, c'est pas dans l'Ahkam al-Jihad, ça. Ça n'existe pas dans l'Ahkam al-Jihad. Et celui qui, en France, qui sort de chez lui avec une arme, ou bien une bombe, ou bien quoi que ce soit d'autre, et qui croit qu'en agissant ainsi, il a fait le jihad, il n'a pas fait le jihad. Ce n'est pas un madhab qui tolère cette façon de faire. Et encore une fois, qu'est-ce que tu as fait? À quoi tu as servi? Tu as tué qui? Qu'est-ce que tu as représenté? Qu'est-ce que tu as fait ici? Voilà, tu entends des choses, il se fait exploser dans une gare ou bien dans un centre commercial, et qui tu tues en fait? Donc il faut vraiment réfléchir à cette façon de faire et dans laquelle on voit absolument aucune des règles de notre religion. Puis l'auteur y passe à tout ce qui touche à al-ghanima, les biens qui vont être récoltés après la guerre. Et ces biens-là, ils ont des noms différents en fonction de la façon dont on les obtiendra. Donc on a al-ghanima, on a al-fay, et on a الرضخ وغير ذلك. On va voir ça tout de suite. ثم قال رحمه الله وتملك غنيمة باستيلاء ولو بدار حرب. Comment est-ce qu'on peut obtenir la ghanima, le butin, باستيلاء? Donc الاستيلاء, c'est la conquête. C'est un mot qu'on entend beaucoup, الاستيلاء. Pourquoi? Où on entend Ali Ismail, Ali Stila? Ça dit quelque chose ou pas? Non? Et toi, Cédric? Non plus? Abkhalid? Sainte, Barakla. Parce qu'Istila, c'est le masdar de Istaoula. Ah, si je vous ai dit Istaoula, vous auriez capté. Istaoula, c'est le verbe. Istila, c'est le masdar. C'est le nom qui est tiré du verbe. Et Istaoula, ça veut dire s'emparer d'eux. S'emparer, conquérir. Et donc ce nom-là, on le voit souvent parce que l'Asha'ira ou bien Al-Mu'awila, de façon plus générale, ceux qui interprètent, ils vont interpréter Al-Istiwa par Al-Istila. Hein? Le fait de conquérir, de s'emparer. Donc pour eux, quand Allah il dit Thumma Stawa ala al-Arsh, Ali s'est emparé du trône. Ou bien il a conquis le trône. Mais le problème, c'est comme ici là. Bistila, s'emparer, conquérir. Parce que c'est pas à toi à la base. Tu ne vas pas conquérir et t'emparer d'une chose qui t'appartient. Est-ce que tu vas dire, toi, quand tu vas prendre ta voiture, Astawli ala sayyarati? Non, c'est ta voiture. Tu ne vas pas dire, je vais m'emparer de ma voiture. Je vais dire, Astawli ala sayyaratik. Tu prends ta voiture. Je te mets un coup de tête, une balayette, une manchette. Et je te prends tes clés, je pars avec ta voiture. Là, je dirais, Astawli ala sayyaratik. Bref, donc al-istila, c'est le fait de s'emparer de, c'est le fait de prendre une chose par le biais de la force. Et donc forcément qu'il ne nous appartient pas à la base. Walau bidari harb, même en terre de guerre. Mais ici quand on dit daru harb, il faut comprendre ce que les savants ils disent quand ils emploient ce terme-là. Ad-dur, les demeures, les pays, se divisent en trois catégories. Il y a Dar Islam, c'est la terre où il y a l'islam. Dar Al-Harb, puis après on a Dar Al-Kufr. Après on a les terres où il n'y a pas l'islam, Al-Kufr, la mécréance. Et dans les terres de Kufr, on a deux types de terres. Dar Harbi et Dar Ghair Harbi. La terre où techniquement on est en guerre, quand je dis techniquement, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a aucun pacte avec ses occupants. Et quand on parle de pacte, c'est des pactes qui impliqueront des trêves,
ou des sécurités entre les deux pays. Donc, les terres de mécréance, avec lesquelles on a des pactes ou des engagements, on appellera ça dar kufr ghayr harbi. Et les terres de mécréance avec lesquelles on n'a pas d'engagement ou de pacte, on appellera ça dar harb. Même si il n'y a pas de guerre. Même s'il n'y a pas de guerre. Pourquoi on appelle ça dar harb quand même? Parce que l'absence d'engagement et de pacte indique que la guerre elle est possible n'importe quand. Donc comme théoriquement la guerre elle est possible, on appellera ça pays avec lequel on peut faire la guerre. Voilà. Donc il a dit walaw bidari harb. Yani si on est sur place. Pourquoi il précise walaw bidari harb? Parce que cette ranima, ce butin dont on va s'emparer après la bataille, il va être partagé. Et le partage, généralement, il se fait au retour, en retournant chez les musulmans. Mais là, il dit walaw bidari harb. Même si on va s'emparer de ces biens-là, dans ces pays-là où la guerre elle est potentiellement faisable, eh bien, ça s'appellera quand même ranima. Et donc, on pourra aussi la partager sur place en fonction du bon vouloir du amir. Donc, quand ils définissent le ranima, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Ma ukhida min mali harbiyi qahran biqital » C'est le bien que l'on prendra du harbi, donc de la personne qui est dans ce pays où la guerre elle est potentielle, « qahran » de force. Comment ?« Biqital » par le biais d'un combat. Et encore une fois, on a certains qui jouent avec les textes, et va te faire un coup à l'assurance, ou bien une fois, il est venu me voir, il avait un plan avec quelqu'un qu'il connaissait, qui travaillait aux ascédiques, et il détournait les ascédiques. Après, il voulait savoir s'il avait le droit de faire ça. Je dis non. Il me dit, mais le ranima. Ah, je crois que tu fais le ranima, là. C'est fou, quand même, quand tu vois, Là, j'imagine, moi, les gens avant, avec leurs boucliers, leurs lances, leurs épées, qui perdaient un bras, qui se faisaient blesser sur le champ de bataille, puis à la fin, on lui donnait sa ranima. Et toi, là, ton ordinateur, comme ça, tu dis ranima. C'est des choses invraisemblables. Et donc, le mot ranima, il vient de l'ghunm en arabe. L'ghunm, c'est le ribh. On reverra ce mot-là, inshallah, dans certaines transactions commerciales interdites, lorsqu'on parle de ghunm et de ghurm. L'ghunm, c'est le ribh. L'ghurm, c'est le khasar. Donc, quand tu dis que quelqu'un il est ranim, il a gagné dans une transaction commerciale. J'ai acheté le bonnet de Laïdine. Il m'a toujours subjugué d'ailleurs. 5 euros. Puis, j'ai réussi à vendre 50 euros. Je fais, tu sais que ce bonnet, il appartient à quelqu'un. Il était, mashallah. Ah ouais, 50 euros. Tu vois, akunu raniman. Je vais être gagnant dans la transaction. Rani, le bénéfice. Puis, si je fais l'inverse, je prends le bonnet de Laïdine, j'arrive pas à le vendre 5 euros. Donc je vais le vendre 4 euros ou là 3 euros. Ou là, gars, je ne le vends pas. À ce moment-là, je serai rarim. J'aurais perdu dans ma transaction, je serai déficitaire. Donc on appelle al-ranima de al-ghunm. Plutôt ce mot-là vient de al-ghunm parce que c'est un ribh, c'est un gain. Et qu'est-ce qu'il dit ? Wa hiya liman shahida al-waqa'a min ahli al-qital. Pour qui il est ce butin ? Pour tout le monde ? Là. Il est pour celui qui était sur place pendant la bataille et qui faisait partie des combattants. Min ahli al-qital. Pourquoi il a précisé min ahli al-qital? Parce que des fois, il arrivait qu'il y avait des gens qui accompagnaient l'armée, mais qui n'étaient pas des combattants, comme des commerçants. Justement, des commerçants itinérants, ils voyaient une armée de musulmans, tiens, on va marcher avec eux, on sera en sécurité au moins. On ne risquera pas de se faire attaquer par des brigands ou par autre chose, on marche avec eux. Puis la bataille éclate. Et les combattants vont combattre, et ils sont là, allez-y, tu vois, ils encouragent. Mais ils ne participent pas au combat. Puis à la fin, le butin, il est partagé, et il vient, ils disent, on était avec vous. Je dis, non, c'était pas avec nous. Et donc, comme ils n'ont pas participé aussi au combat, ils n'auront pas le droit à une part du butin. Et comment est-ce que le butin, il se partage? Il se partage en 5 parties. On va le diviser en 5. Pourquoi on va le diviser en 5? Parce qu'on a besoin d'un cinquième qu'on va
comment dirais-je, exclure du total. Il a dit Faitu Khammas. Donc l'amir, l'imam, pardon, l'amir ou bien ibul amir, il va prendre le butin dans sa totalité et il va le diviser en 5 parties équivalentes. Puis une de ces 5 parties-là va être mise de côté. Et à quoi elle va servir à qui va servir ce cinquième-là? Il a dit Thumma al-khumusu sahmun lil masalihi. Donc as-sahm, c'est là une part. Dans ce cinquième, on va faire plusieurs parts. Donc dans le verset, Allah Ta'ala dit وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Donc dans ce cinquième-là, on va diviser plusieurs parties. Dans le verset, Allah dit que la première partie de ce cinquième-là revient à Allah et à son messager, alayhi salam. Et quand on dit à Allah et à son message, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça revient à l'intérêt des musulmans. C'est dans l'intérêt des musulmans. Ça veut dire qu'on va se servir du cinquième, pour les autoroutes, enfin les routes par exemple, ou bien les puits, ou bien les écoles, ou bien les hôpitaux, la réalité des cas, tout ce qui va rentrer dans l'intérêt des musulmans. C'est pour ça qu'il a dit « Sahmoun lil masalih ». Puis il a dit sahmun li dhawi al-qurba. Sahmun li dhawi al-qurba, yani une part pour les membres proches de la famille du prophète alayhi salat wa salam. Qui sont Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Banu Hashim, Hashim c'est le grand-père du prophète alayhi salat wa salam. Et al-Muttalib c'est le frère du grand-père du prophète alayhi salat wa salam. Donc tous les descendants de Hashim et tous les descendants de al-Muttalib sont considérés comme étant la famille proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont donc le droit à un cinquième du cinquième. Pourquoi eux et pas les autres? Parce qu'ils n'ont pas le droit à la zakat. On a vu ensemble que la famille du prophète n'a pas le droit à la zakat. Pourquoi? Parce que la zakat, comme le prophète l'appelle sallallahu alayhi wa sallam, c'est awsakh al-nas. Je parlais awsakh al-nas. C'est l'argent qu'il leur reste après qu'il se soit... qui s'en soient servis pour eux-mêmes. Et le prophète et sa famille sont plus trop nobles pour accepter ce dont les gens n'ont plus besoin. Alors on leur a interdit ce type de bien et on leur a donné un bien qui correspond à leur noblesse, c'est la noblesse du butin qui est obtenue sur le champ de bataille. C'est donc pour cette raison-là qu'ils ont le droit à une partie du cinquième. ثم قال وسهم لليتامى. Donc اليتامى, c'est les orphelins. Et comme on l'a déjà dit ensemble, l'orphelin, c'est l'enfant qui n'a pas la puberté, dont le père est mort. L'enfant qui n'a pas la puberté, dont le père est mort. Ce qui signifie que si son père meurt après que cet enfant ait eu la puberté, il n'est pas orphelin. Ou bien que si c'est sa mère qui est morte, même s'il n'a pas la puberté, il n'est pas orphelin. Et bien entendu, ici qu'on parle des orphelins, est-ce que c'est mutlaq wa in kanu aghniya? Est-ce que c'est absolu même s'ils sont riches? Là. Le maqsoud, al-fuqara minhum. Ce qui est visé, ce sont les pauvres chez eux et pas les riches. Thumma qala wa sahmun lil masakin. Le masakin, ce sont les pauvres. Et on a dit que le masakin, donc il y a deux choses à dire. La première, c'est que c'est un terme général qui, lorsqu'il est évoqué tout seul, englobe avec lui le sens du faqir. Donc quand on a le faqir tout seul, il vise le miskin, et quand on a le miskin tout seul, il vise le faqir. Comme l'islam ou l'iman. Idha tafarraqa ijtama'a, wa idha ijtama'a tafarraqa. Puis on a dit que, d'un point de vue plus précis, c'est que le miskin, huwa alladhi yajidu nisfa qut yawmihi. Wa le faqir, huwa alladhi yajidu aqalla min dhalik. On avait dit que la différence entre le miskin et le faqir, le pauvre et le besogneux, c'est que le pauvre, c'est celui qui va avoir en sa possession la moitié de ce dont on a besoin pour vivre la journée. Donc la journée, parce qu'avant les gens, ils vivaient au jour le jour. Maintenant, on dirait par exemple le mois. Donc si on parle sur le seuil minimum en France, le SMIC, qui est quoi, 1200 aujourd'hui, ça? Je veux dire, mashallah.
Mais quand tu vois le prix de l'essence. Bref. Et donc 1300. Et donc si quelqu'un il touche moins de 1300 jusqu'à la moitié, il est miskin. Et si il touche moins de la moitié, il est fakir. Donc le miskin, c'est celui qui aura la moitié de ce dont on a besoin pour vivre la journée, ou le mois, ou l'année, tout dépend de comment les gens y vivent. Et le fakir, c'est celui qui aura moins de la moitié. Donc comme il dit, وَسَهْمُنْ لِلْمَسَاكِينَ, et qu'il n'a pas employé, il n'a pas parlé des fuqara, c'est parce que les fuqara, ils rentrent dedans, taba'an, obligatoirement. وَسَهْمُنْ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ, et il part pour les fils du chemin, c'est-à-dire les vagabonds. Et quand on parle de vagabonds, on en a parlé dans ceux qui ont le droit à la zakah, c'est celui qui part voyager et qui ne trouve plus, qui n'a plus les moyens de rentrer chez lui. Donc celui-là, il aura le droit à une part de Al-Ghanim, un cinquième du cinquième, pour pouvoir retourner à domicile. Maintenant, pour les quatre cinquièmes restants, qu'est-ce qu'on va en faire ? قَالَ ثُمَّ يُقْسَمُ بَاقِي الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْجَيْشِ وَسَرَايَاهُمْ بَعْدَ النَّفْلِ أو بَعْدَ النَّفَلِ. Il dit, rahimahullah, puis les quatre cinquièmes restants seront partagés entre l'armée, le jaysh. Donc le jaysh, c'est l'armée, celle qui est présente avec l'amir. وَسَرَايَاهُ, c'est le pluriel de Sariya, ce sont les escadrons envoyés par l'armée, par le chef. Donc imaginons l'armée, le chef de l'armée, il a, on va dire, 1000 combattants, il va en prendre 50, vous allez partir là-bas, et il va les envoyer en mission quelque part. Pendant qu'ils partent, la bataille, elle commence. Et quand ils reviennent, elle est finie. Parce qu'on leur dit, bon, vous n'étiez pas là, vous n'avez pas droit à votre part. Non, le fait d'avoir été envoyé en mission, nous fera les considérer comme étant comme ceux qui étaient sur place. طيب ثم يقسم أو يقسم باقي الغنيمة بين الجيش وسراياه بعد النفل. النفل, donc c'est un des autres noms de des biens obtenus après la bataille. Donc il y a le nafal, il y a le radkh bid-dad, et il y a, même si c'est un synonyme, et il y a le fay. Donc c'est quoi le nafal? Ça nous rappelle le premier verset sur l'anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Et anfal, c'est le pluriel de nafal. Il n'y a pas longtemps de ça, un frère, il a une fille. Alors, oh, mashallah, c'est bien. Et comment tu l'as appelé? Il dit, je l'ai appelé anfal. Je suis resté stoïque. Tu sais le verset dans Surat Al-Anfal? Je me dis, wallah. Tu crois vraiment que je ne sais pas d'où ça vient? J'ai apprécié de Surat en 99 pour l'indication. J'aurais pu dire que tu étais bon en 99. Bref, je lui dis, mais non, c'est pas ça qui me choque. Je lui dis, mais pourquoi tu l'as appelé comme ça? Je lui dis, mais c'est bien, c'est dans le Coran. Ça m'a rappelé le bien, il fait toi, Cheikh Al-Asim, rahmatullah, allez. Où il y a un homme, il lui a dit, Cheikh, c'est quoi le hukm d'appeler son enfant Naktel? Et si tu fais Naktel à la française, ça fait Naktel. Tu connais Naktel, la marque pour le lait, là? Et Cheikh, il t'a agi, mais tu dis, pourquoi tu veux appeler ton enfant Naktel? C'est quoi Naktel? Et celui qui pose, Cheikh, tu connais pas Naktel? Et là, le Cheikh, il dit, franchement, je connais pas Naktel. Il dit, c'est le nom du petit frère de Youssouf, dans Sourate Youssouf. Tu dis, ah bon? Où t'as vu ça, toi? Il dit, bah oui, qawluhu ta'ala, arsil ima'ana akhana Naktel. Et là, Cheikh, il a rigolé. Il dit, mais c'est pas son nom, c'est le verbe. Envoie avec nous notre frère, Naktel, yani comme ça, on fera du kale. On vendra, on échangera un kale contre un autre. Là, pareil, il me dit, Anfal. Je suis Allahu A'lam. C'est dans l'histoire de la Oumma, quelqu'un a déjà appelé sa fille Anfal. Ah, j'ai mané, Wallah. Tu imagines quand sa fille grandira, on lui dit, tu t'appelles comment? Je m'appelle Anfal. Khadiqouli Anfal ou Lillahi wa Rasul. J'ai pas d'Allah. Bon, bref, ça c'était la parenthèse soufianesque, qui fait pas attention. Donc, un nafal, à la base, c'est ziyada. C'est ce qu'il y a en plus. C'est un peu comme un nafila. Nafila, c'est l'adoration surérogatoire qu'on fera en plus des obligatoires. C'est ça, hein, ziyada. En fait,
Il a dit Ba'dan Nafal. C'est-à-dire on va prendre une ziyada des 4 cinquièmes qu'on va donner à des gens qui n'ont pas participé à la bataille, mais qui ont aidé d'une façon ou d'une autre. Imaginons, Masalan, il y a des esclaves qui ont accompagné l'armée pour s'occuper, Masalan, des vêtements, ils vont les laver, ou bien faire à manger, ou bien des gens qui vont être infirmiers, bref, il y a des gens qui vont être avec les combattants, mais qui ne vont pas participer au combat, qui ne sont pas des combattants. Ils sont là, ils assistent au partage. C'est ce qui va faire, comme on dit en français, baver. Et ça donne envie. Et ça, c'est une qaïda, mes frères. Si jamais vous devez donner quelque chose à quelqu'un, donnez-lui en privé. Ne lui donnez pas en public. Parce que quand vous le donnez en public, forcément, les gens ils vont vous voir et ça va susciter leur envie. Et dans le Coran, Allah il nous a justement appelé à ça. Quand il parle du partage de l'héritage. Il dit, subhanahu wa ta'ala, « وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا » Lorsque assiste au partage de l'héritage « أُولِي الْقُرْبَى » les proches de la famille, mais qui n'héritent pas. « وَالْيَتَامَى » et les orphelins. « وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ » Les orphelins et les pauvres, donnez-leur quelque chose de ça. Ne les laissez pas comme ça, ils vont dire « Oh, la chance !» Non. Donnez-leur. Il ne faut pas les laisser comme ça. Et là, pareil, il y a des gens, ils sont dans l'armée, ils accompagnent les combattants, ils leur donnent à manger, ils leur donnent à boire, ils s'occupent de leurs vêtements, bref, ils les soignent comme ils sont malades. Même s'ils participent à la bataille, quel est le cas, on leur donne une partie. Après ça, donc après avoir donné un plus aux gens qui sont là sans avoir participé au combat, on va partager donc les parts, ce qui reste entre les combattants. Et dans l'armée, qu'est-ce qu'on a? On a Rajil, donc là pareil, l'Al-Akh, il a lu les Rajil. Moi j'ai les Rajul pour l'homme. Non, ce qui est visé c'est Rajil, c'est pas l'homme. C'est quoi la différence? C'est quoi le Rajil? C'est le fantassin, celui qui est à pied. Donc dans l'armée, on a les cavaliers et les fantassins. Donc celui qui est à pied, il a un serme, il a une part. Et celui qui est à cheval, il en a trois. Il a trois parts. Trois parts si son cheval c'est un arabe. Si c'est un pur sang arabe. Si c'est pas un cheval arabe, il aura deux parts. Et quand on dit trois parts, est-ce que c'est le combattant qui a deux parts et le cheval une? Ou bien est-ce que c'est le combattant qui a une part et le cheval deux? C'est la deuxième. C'est le cheval qui a deux parts. Ce n'est pas le combattant. Ben, tu me diras à la fin, ce sera quand même pour lui. Naam. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, imaginons que la valeur du butin monte à une valeur de 50 000 euros. Donc on a enlevé un cinquième. C'est donc 10 000 euros. 10 000 euros qu'on va partager dans les différentes catégories qu'on a évoquées précédemment. Il restera 40 000 euros. J'ai 40 000 euros et j'ai 40 combattants. 30 qui étaient à pied et 10 qui étaient à cheval. Donc, on a dit 3 parts pour le cavalier. Ça fait 30. D'accord? Parce que j'en ai 10. Ça va? Plus 40 parts pour les fantassins qui sont à pied. Ça fera 70. Vous me suivez? Et là, donc, je vais donc diviser 40 000 par 70 et donner les parts ainsi aux gens. C'est combien? 40 000 divisé par 70. 7, 40. Là, moi, je fais les comptes, mais. Le plus proche de c'est 35. Hein, 7 fois 5, 35. Ça fait 500 et quelques. 0,57. Non, t'as... Non, c'est l'inverse. Ah, c'est 70. Non, c'est 40 000 divisé par 70. Ça fait 500 et quelques. Ça fait 160. Combien?
Ah ouais, 571. Voilà. Donc, je donnerai 571 pour chaque, comment dirais-je, fantassin. Et ce qui restera, je donnerai, je diviserai par 10 pour les 10 restants. طيب نعم ثم قال رحمه الله والغال والغال يحرق رحله من الغال الغال c'est celui qui vole le butin. Et quand on dit voler, c'est pas forcément se l'accaparer, même s'il va le cacher pour venir le récupérer plus tard. الغال الله جل وعلا قال وما كان لنبي أن يغل وفي قراءة وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. Donc le غلول, c'est le fait de s'accaparer le butin sans droit. Sans droit. Donc là, imaginons, il y a un... Et là, on parle du combattant, j'imagine pas. Le combattant, il est sur une bataille. Il a vu quelque chose, il a caché, il a dit, je vais le garder pour moi. Et then, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, est-ce qu'on le prive de sa part, ce qu'il a volé? Là, on ne le prive pas. Il a dit, bel yuhraku rahluhu kulluhu. On va prendre son équipement et on va le brûler. On va le brûler. Et on donc le privera ainsi de sa part. Sauf, bien entendu, illa silah wal mushaf wa ma fihi ruh. Donc dans le cas où dans son équipement on trouvera un mushaf, on ne va pas le brûler. S'il y a des armes, on ne va pas les brûler non plus. Et imaginons il a avec lui quelque chose de vivant, on ne le brûlera pas. Après, justement, il parle d'autres exceptions à la règle. Et parmi les exceptions qui sont évoquées, il dit « wa kutubu ilmin », bien sûr. Imaginons les livres de science, on ne va pas les brûler. Donc, on brûlera son équipement. Quand on parle de « rahl », à la base, c'est la selle. En fait, ce n'est pas seulement la selle. Mais quand il a une monture, il a une selle avec tout un attirail autour, des sortes de compartiments dans lesquels il va ranger ses affaires. Et il y aura aussi des couvertures déposées dessus pour qu'ils puissent voyager plus confortablement, et ainsi de suite. Il y a aussi un dossier derrière et une sorte de comment pour l'appeler, un truc devant pour se tenir. C'est ça, le rahl. Donc, au lieu de le priver de sa part de l'ranima, on va le brûler, son équipement, jaza'an wifaqa. C'est comme ça qu'il sera puni. عفوا. ثم قال ويخير إمام في أرض بين قسم ووقف مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده. Puis l'auteur il nous parle de justement ce butin là, le butin. L'auteur il dit yukhayyaru imam, donc l'imam, l'amir, le chef de l'armée, on lui laissera le choix dans une terre qu'ils ont donc conquis par le djihad, entre partager la ranima ou en faire un legs dans l'intérêt des musulmans. Wa waqfin. T'as pas le damir, toi, waqfin, bitanouin. Non. Mathalan, ils vont arriver sur une terre dont ils vont s'emparer par la force. Cette terre-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'il va la séparer, comme on l'a vu précédemment, et donner une part à chaque combattant? Ou bien, est-ce qu'il va dire, non, cette terre-là, par contre, on va en faire un legs, un waqf? Ça veut dire quoi un waqf? C'est-à-dire on va la destituer de toute transaction commerciale possible. Elle ne pourra plus être vendue, ni achetée, ni héritée, ni offerte, rien. Et alors à ce moment-là, elle sera bloquée. C'est ça le legs, elle sera bloquée, le waqf.
bloquée dans quel but? Dans l'intérêt des musulmans. Ce sera une terre qui appartiendra aux musulmans et que personne ne pourra obtenir individuellement. Maintenant, cette terre-là, donc elle va forcément servir notamment à la culture, et donc il y aura des récoltes de ce qui sera cultivé. Eh bien, il a dit « ma'adarbi kharaj » tout en imposant un kharaj c'est un impôt qui va revenir à l'État. Et donc, il y aura une partie des récoltes de cette terre-là qui va être bloquée pour l'intérêt des musulmans, qui reviendra à l'État en guise d'impôt. Et cet impôt-là, à la fin, qu'est-ce que l'État va faire avec? Eh bien, pareil, il va le donner dans l'intérêt des musulmans. Donc, en fait, toutes les formes d'argent ou de revenus qui vont rentrer dans les caisses de l'État serviront à l'intérêt des musulmans. Et c'est comme ça que, justement, l'État, il n'a pas besoin de taxer les gens chez lui. Parce qu'il a des moyens de faire rentrer de l'argent différent. Puis, soit, justement, les gens ne font plus la guerre, ou bien ne récoltent plus la zakat, ou bien j'en passe et d'autres. Et donc, forcément, les caisses de l'État, elles sont vides, et il faut bien trouver un moyen de les remplir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont taxer les gens. En partant du principe où la taxation n'est pas permise. C'est même un grand péché. Donc, la législation d'Allah Azzawajal est faite de façon à ce que les musulmans dans leur pays ont toujours des entrées d'argent, des revenus qui permettent aux musulmans de vivre et même d'avoir des rentes. C'est-à-dire que les allocations que nous on connaît aujourd'hui en France, c'est le premier à les avoir instaurées, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Au départ, c'était pour les sahaba, radiyallahu anhum. Puis après la mort du prophète, il y a eu Abu Bakr, bon, lui, il était occupé par des affaires plus importantes. Et c'est Omar qui l'a généralisé. Et les gens touchaient des rentes. Et il y avait même des rentes pour les femmes et pour les enfants. Des allocations. Ces rentes-là, ces allocations, d'où elles venaient? Ben, elles venaient, justement, des zakawats qui étaient qui est perçu par l'État des gens qui étaient en moyen de les donner, de la jizya qui était payée par les non-musulmans qui vivaient sur place, et de l'ranima, du butin quand il y avait des conquêtes. Il y a même aussi des taxes, hein, on va voir ça après, qui étaient imposées aux commerçants non-musulmans qui venaient dans des pays musulmans. Donc c'était des moyens justement d'avoir de l'argent, et ainsi on faisait vivre le pays. Donc il y avait une rente pour tous les musulmans et il y avait de l'argent pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, des gens passés, d'autres. Et c'est pour ça que pendant des siècles, les musulmans n'avaient pas besoin des autres. C'était les autres qui venaient. Et là, tu comprends pourquoi? Eh bien, tu avais des gens du livre qui préféraient vivre chez les musulmans en payant la jizya que partir. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient accès à des choses dans les pays musulmans qu'ils ne trouveraient jamais ailleurs. Et si, comment dirais-je, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo comme ça, c'était un homme de confession juive qui parlait de l'époque où il vivait en Algérie. Et il disait qu'en fait, les juifs dans le Maghreb, on lui parlait de l'Algérie parce qu'il était d'Algérie, ils étaient bien. Et qu'ils n'avaient rien à reprocher aux Algériens et aux musulmans. Parce que, alhamdoulilah, ils n'ont jamais vécu en sécurité. Il faut comprendre ça quand même. Que les juifs, c'est des gens qui étaient constamment pourchassés. Personne ne voulait d'eux. Et le seul endroit où ils ont réussi à s'installer à long terme, c'est au Maghreb. Ou bien c'est dans les pays musulmans. Quand la reine Elisabeth, ou la Catherine, elle s'appelait comment l'espagnole là? Catherine, hein, celle qui a repris l'Espagne après la chute de l'Andalousie. Tu crois que les Juifs ils sont restés en Espagne? Ah non, ils sont partis avec les Arabes au Maghreb. Hein. C'est pour ça qu'on en a beaucoup au Maroc. Avant, il n'y avait pas longtemps de ça, en Algérie aussi, et en Tunisie. D'ailleurs, l'une des synagogues les plus vieilles qui existent aujourd'hui, elle est en Tunisie. Pourquoi? Pourquoi les Juifs marocains... Et ils ne veulent pas retourner en Israël. Enfin, en Palestine occupée, pardon. Pourquoi? Il faut se poser la question. Et là, malheureusement, t'as ces musulmans complexés quand on leur parle des juifs, ils ont en train de dire pardon, quel pardon? Non.
Non, non seulement on ne doit pas s'excuser, c'est eux qui devraient nous remercier. Mais encore une fois, c'est des choses que les gens ne veulent pas comprendre. Et donc, ils étaient chez nous, en sécurité, et ils profitaient eux aussi des bénéfices qu'il y avait dans les pays musulmans qu'on trouvait nulle part ailleurs. Ça n'existait pas dans un pays. Tu vas dans un pays où il y a que des. Où des je sais pas moi. Que des. Ben regarde, tu prends aujourd'hui le Tibet. Ou bien certaines contrées en Chine. Je pense, tout ce qui est bouddhiste, hein, Sri Lanka, Birmanie, tout ça. L'Inde. Qu'est-ce qu'ils font actuellement avec les musulmans? Ils font quoi? Ben, ils n'en veulent pas. Ils les chassent, ils les tuent. Et dans la plupart des pays où la grande majorité, ou pour pas dire la totalité des habitants, ils ont une religion, ils ont une culture, ils ont un mode de vie, ils ne veulent pas de quelqu'un d'autre. Ils ne veulent pas. Ça a toujours été comme ça. Regarde en Europe. En Europe, te rends compte quand il y a eu la scission avec les protestants et les catholiques. C'est fou, c'est encore plus fou en vrai ça. Parce que ils sont du même pays, la même culture, la même histoire. Mais comme ils ont juste changé de courant, pas de religion, il y a eu des massacres. Il y a eu des massacres où les protestants, on les jetait des ponts. Ça s'est passé en France. Le massacre de la Saint-Barthélemy, si pour citer que celui-ci. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Sauf chez les musulmans. Il n'y a que chez les musulmans où on acceptait des gens qui n'étaient pas musulmans et que ces gens-là préféraient rester avec eux que de retourner chez les leurs. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bien entendu, après le passage des colonisateurs en Afrique, eh bien, les Africains, je parle des Arabes et des Noirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté l'Afrique après que les colonisateurs les vidaient de ces ressources naturelles et ils sont venus vivre en Europe. Mais le plus marrant, c'est que les Européens, ils ne veulent pas. On ne vous avait rien demandé, nous, à la base. On était bien dans nos pays. On manquait de rien. Écoute, regarde, lisez les témoignages des premiers militaires qui sont venus en Algérie avant la colonisation. Regardez ce qu'ils disaient de l'Algérie. Ils sont devenus fous quand ils sont arrivés en Algérie. Ils sont arrivés dans un pays propre. Les gens, ils étaient en bonne santé. Les gens, ils savaient lire. Ils étaient cultivés. Ils avaient une économie, ils manquaient de rien. Et ils sont restés combien de temps en Algérie? 150 ans? Et l'Algérie aujourd'hui, comment c'est? Donc il faut se poser des bonnes questions. Puis là, le mec, il est là, il passe à la télé, il dit les Algériens, ils ont dit, tais-toi! Tais-toi! Les trois Algériens ont demandé quelque chose, ils n'ont rien demandé. Ils étaient bien. C'est vous qui êtes venus chez nous, c'est pas l'inverse. Comme il disait, il y a eu un divorce et c'est la France qui a eu la garde des enfants. Mais c'est une blague. Hein. Mais le truc c'est que tu sais le Français qui se plaint aujourd'hui de la présence étrangère en France, il a pas compris ce qui s'est passé dans l'histoire quoi. Il a pas compris. Quand les Français sont venus en Afrique, c'était comment les Français Bilal quoi. C'était des gens qui se lavaient une fois tous les trois mois, des gens qui mangeaient des rats, des gens qui mouraient de la peste. C'était ça la France, mes frères. Chose qui n'existait pas en Afrique. T'allais au Mali, t'allais au Sénégal, Yahil, Bamako, c'était le centre scientifique du monde. La première opération sur un globe oculaire, elle a été faite à Bamako. T'irais te faire soigner un œil à Bamako aujourd'hui, toi? T'irais pas te faire soigner un doigt? À cause de quoi? À cause de la colonisation. Mais avant la colonisation, je crois qu'ils avaient demandé quelque chose à quelqu'un, ça ne fait rien demander. Rien du tout. Tout ça pour faire comprendre aux musulmans qu'ils ont beaucoup de raisons d'être fiers, qu'ils doivent arrêter de cacher leur tête dans la terre comme des autruches qui auraient peur de je ne sais quoi, qu'ils doivent la lever haut et fièrement et rappeler aux gens d'où ils viennent et quelle est leur religion et qu'est-ce qu'elle a apporté au monde et pas seulement aux musulmans. Yarhamoukallah, t'es puissant, mashallah, celui-là. Taïb. نعم مع ضرب خراج يؤخذ كل عام ممن هي بيده. Donc c'est ce kharaj, cet impôt qu'on va prendre des récoltes de cette terre qui va être bloquée, dont l'intérêt va être bloqué pour les musulmans, et on le prendra tous les ans et il reviendra donc à l'État qui le saura dans quelles circonstances s'en servir.
Et pour ce kharaj, cet impôt-là, on le prendra quelle que soit la religion de la personne qui s'occupera de cette terre-là, qu'il soit musulman ou non, devra la donner. Et le premier qui a fait cela, c'est Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsque Hacham et l'Irak et l'Égypte sont devenus des terres musulmanes. ثم قال باجتهاده يعني comment est-ce qu'il va déterminer cette portion qui reviendra à l'imam, c'est lui son propre effort de réflexion qui déterminera de combien sera ce kharaj, cet impôt là. ويجري فيها الميراث ويجري فيها يعني on appliquera dans cette terre de laquelle on déduira ce kharaj الميراث يعني l'héritage, les règles de l'héritage, dans le sens où celui qui a été chargé pour s'en occuper par le premier qui l'a bloqué dans l'intérêt des musulmans, eh bien, ses héritiers en hériteront après lui et devront, comme lui, s'en occuper de la même façon. يعني la cultiver, faire les récoltes, sortir une partie pour l'État, et lui aussi, il aura le droit à un salaire pour tout le travail qu'il fera, et wahakada. ثم قال ومن عجز عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنها. Et donc celui qui n'est pas capable de s'occuper correctement de cette terre là, il n'en a pas les عن عمارة, donc de la remplir, hein, en la cultivant, en y semant ce qu'il doit semer et en faisant les récoltes comme il le doit. Imaginons quelqu'un, il hérite de cette terre là, mais il n'a pas les capacités physiques ou autres de s'en occuper comme le faisait son prédécesseur. رفع يده عنها, يعني il cédera cette terre à quelqu'un d'autre qui s'en occupera à sa place. S'il peut, louer les services de quelqu'un pour qu'il le fasse à sa place, alors il le fera. Sinon, il donnera cette fonction à quelqu'un d'autre. On ne doit pas laisser cette terre à l'abandon. Pourquoi ? Parce que l'intérêt, il est général pour tous les musulmans. ثم قال وما أخذ من مال كافر بغير قتال كجزية وخراج وعشر تجارة ونصفه وما تركوه فزعا ففيء يصرف في مصالح المسلمين. Donc là on aura la dernière partie des biens dont on va s'emparer. Sauf qu'ici c'est بغير قتال, sans qu'il n'y ait de bataille. Ce qu'on appellera الفيء. الفيء ça vient du verbe فاء, il y a fiou qui veut dire revenir, mais mana raja, ça reviendra aux musulmans, et on appelle l'ombre al fayou, parce que l'ombre elle s'allonge et se rétrécit en fonction de la place du soleil dans le ciel, et quand l'ombre elle redevient petite, on l'appelle fay. Donc tout ce qui va être pris min mali kafirin, attention quand on dit pris bihaq, parce qu'il y a le bien du kafir, s'il y a un ahd et un mithaq, yani s'il y a un engagement, s'il y a un pacte, il doit être préservé. Et on n'a pas de droit dessus. Donc le bien du kafir qui sera pris bihaq, donc justement, sans qu'il n'y ait de qital, sans qu'il n'y ait de bataille, kajiziyatin, comme l'impôt qu'on demandera aux non-musulmans qui vivent dans un pays musulman de payer. Et ça, il y a un bab juste après qui explique dans quelles circonstances cet impôt doit être payé et qui doit le payer et de combien est sa valeur. Kadjiz est une wakharaj. Le kharaj, on a dit, c'était une partie d'une récolte qui va revenir à l'État. Donc, kharaj, ça vient de kharaja min al-ard. Donc, à la base, le kharaj, ça fait référence à ce qui sort de la terre et qui va servir de salaire. Et à la fin, c'est devenu, de façon plus générale, un terme qu'on emploie pour désigner le salaire. Dans le verset. J'ai oublié le début du verset. فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Bon, personne ? Non ? Minoun ? Non plus ? خير إن شاء الله. أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ وَأَكْثَرُ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ. Bon, plus tard, inchallah. Je peux rester sur 1. Eva ? Non ?
tentative étouffée dans l'œuf de Abu Mu'adh. Hein? Kharajan, barakallahu fik. Am tas'aluhum kharajan, fa kharaj rabbika khair. Merci Google. Wa kharaj wa ushru tijara. Et le dixième du commerce. Donc le harbi, comme on dit tout à l'heure, on a un harbi qui vient dans un pays musulman pour faire du commerce. Pourquoi c'est un harbi? Pas parce qu'on fait la guerre avec lui, mais parce qu'il n'y a pas de pacte entre nous qui le met en sécurité. Donc si lui, il vient dans un pays musulman, il fait du commerce, on l'imposera à hauteur de 10% de ce qu'il va vendre. Wa nisfihi, donc le ushr pour le harbi, et le nisf, donc la moitié du dixième, c'est donc le vingtième, pour un dhimmi. Donc le dhimmi c'est celui qui vit dans un pays musulman après avoir payé la jizya. Donc si j'ai un harbi qui vient de l'extérieur et qui vient chez nous faire du commerce, on lui demandera 10% des bénéfices. Si c'est un dhimmi, quelqu'un qui vient, qui vit déjà sur place, on lui demandera la moitié du dixième, soit le vingtième. وَمَا تَرَكُوهُ فَزَعًا. Et ce qui a été abandonné lorsque les musulmans sont arrivés sur place et ils sont partis en courant et en abandonnant tout sur place, كَدَلِكَ reviendra aux musulmans. Fa-fay-un, on l'appellera donc fay-un. Pourquoi? Parce que tous ces types de biens reviennent aux musulmans sans qu'ils n'aient eu besoin de combattre pour les obtenir. Yusrafu fi masalihi al-muslimin, qu'on utilisera dans les intérêts des croyants, des musulmans, comme on dit tout à l'heure, tout ce qui va toucher à la ville, à la construction, à l'éducation, ila akhirihi. Al-ahammu fal-aham. Donc ce sera au imam, de déterminer les causes les plus importantes dans les besoins des musulmans, l'intérêt des musulmans, et ainsi de se servir de cet argent-là, si on peut l'appeler ainsi, pour commencer par le plus important. En fait, il n'y a pas de... Tu l'as pas, toi, face au fil Houdna et tout ça? Non. Non, bon, très bien. On a que ta fille, bihadal qadr, inshallah ta'ala. Avez-vous des questions? Oui, Ayoub. Ils sont cités avant, mais ça, c'est pas dans un... Ah oui, c'est vrai, dans Ba'da al-Nafal. On va prendre une partie qu'on va leur donner, comme ça le reste, c'est celui qui sera divisé. Parce que si on divise tout pour les combattants en fonction de leur nombre, comment on va pouvoir prendre un truc en plus pour donner aux autres? Donc on va commencer par prendre quelque chose en plus qu'on donnera aux autres, et après ce qui restera, il sera divisé par rapport au nombre de combattants. Wallahu a'lam. Oui, Mourad. Mais si par exemple, ah non, là c'est différent. Là c'est les fitaines Là dans ce genre de cas-là, dans les troubles, tu dois te défendre toi et ta famille. Mais pas participer au combat quand tu sais pas qui a raison, qui a tort, qui va gagner, qui va perdre, qui fait quoi. Là tu te préserves toi et ta famille. C'est ça qui est demandé. Ah non. Allah. Oui. Si celui qui appartient à la terre, il ne peut plus la gérer, est-ce qu'il peut la donner à l'État directement plutôt qu'à une personne tierce? En fait, lui, non. Il a pas le... Quand on dit Rafa'a yadahu an, il doit donc être conscient qu'il n'a pas la capacité de s'en occuper, et donc chercher à à faire que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Mais dans tous les cas, ça devrait être officiel. Même si lui va voir quelqu'un et cette personne-là l'accepte de le faire à sa place, et il faudra quand même qu'il passe par l'État pour qu'on sache que c'est plus lui qui s'en occupe, mais quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc dans tous les cas, même si s'il connaît personne, il va passer par l'État obligatoirement. Et s'il connaît quelqu'un, eh bien ce quelqu'un-là devra aller se déclarer à l'État pour dire maintenant c'est moi qui m'occupe de cette terre-là. Wallah. Non. Vous pensez qu'il va garder les frontières du pays contre les ennemis? On a, ouais. On a dit, s'il meurt, sa récompense, c'est que toutes les actions qu'il faisait de son vivant, elles seront comptées. C'est ça. Pendant combien de temps? Jusqu'au jour de la résurrection. Il n'y a pas de fin à ça. Non. Et donc, c'est plus méritoire que celui qui est sur le champ de bataille, qui meurt sur le champ de bataille. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît pas l'étendue de la récompense. Ah,
de celui qui meurt martyr. D'ailleurs, comme Allah a dit, il meurt, mais il est toujours vivant. Hein? Son âme, elle est dans un oiseau vert qui vole au paradis, l'akhiri. Donc, en fait, si tu veux, là, toi, t'as comparé sur le plan quantitatif. Mais sur le plan qualitatif, il n'y a pas de comparaison possible. Et que même s'il meurt fi sabilillah, il ne meurt pas martyr. Elle est là la différence. Wallahu a'lam. Oui, Abkhali. Allah wa la adri. Et pourquoi la distinction sur son arabe, pourquoi lui, ce serait trois parts et puis deux parts? Parce que le cheval arabe est considéré comme étant le meilleur des chevaux. Donc comme c'est le meilleur des chevaux, il aura donc le droit, de par sa taille, sa robustesse, je ne sais pas comment dire robustesse, sa vitesse et toutes ces qualités qu'on ne trouvera pas chez les autres chevaux, il aura donc le droit à une part plus importante. Non, c'est la moitié du dixième. On est d'accord, je ne me suis pas trompé là-dessus. 10% c'est pour le premier. Et l'autre c'est 20%. L'autre c'est 5%, voilà. En pourcentage. Ouais, voilà, c'est pareil. En pourcentage. J'ai fait un effort monstre pour ne pas me tromper, va pas m'embrouiller. Donc. Ah, autant pour moi, pardon. Oui, en termes de fraction, ce sera un vingtième. En termes de pourcentage, ce sera à 5%. Voilà. Pourquoi t'as dit pour le djihad, peut-être de manière bénévole ? J'ai pas compris ça. En gros, c'est que c'est pas une obligation. Tu n'y vas pas parce que c'est obligatoire. Tu y vas parce que, par exemple, l'armée a le nombre de combattants suffisant, mais tu t'engages alors qu'ils n'ont pas besoin de toi et que ce n'est pas une obligation. Tu le fais de toi-même. Le bénévolat, c'est quelque chose que tu vas faire de toi-même sans qu'on te l'ordonne. C'est dans ce sens-là, t'as ta voix. Il y a plusieurs types de djihad. T'as pas tout énuméré. Non, en fait, si tu veux, c'est le jugement qu'on donnera. Soit il est fard, à la base, il est fard kifaya. C'est-à-dire, il est obligatoire pour une partie de la communauté. Lorsque la partie nécessaire s'en charge, c'est plus obligatoire pour les autres. Mais c'est quoi ? Ça sera mustahab. Donc, ça deviendra bénévole, justement. Ou il est obligatoire à titre individuel pour tout le monde dans les situations qu'on a citées tout à l'heure. Non. Est-ce qu'il peut leur ressembler ou pas ? Ah oui. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, dans l'Iqtida, il parle justement du fait de ressembler au mécréant en apparence et des différents jugements de cette action-là en fonction du musulman et de l'endroit où il se trouve. Donc on n'aura pas un seul jugement aux musulmans alors qu'il est dans un pays musulman ou non. Irhamukallah. Donc soit s'il est dans un pays musulman, il ne doit pas leur ressembler. S'il est dans un pays mécréant en guerre, comme en espion, il doit leur ressembler pour ne pas attirer l'attention. Obligatoirement. Et s'il est dans un pays non musulman, mais pas en guerre, alors il sera recommandé pour lui de ne pas se distinguer d'eux dans un but da'awi, dans un but de prédication, de les appeler à l'islam. Pour ne pas justement les éloigner dans le cas où tu te présenterais à eux avec des vêtements qu'ils ne connaissent pas et à qui pourraient donc les pousser à ne pas t'écouter. Non. Ah, ouais. Cher, on a vu que du coup il fallait l'autorisation de ses parents pour faire le djihad sur érogatoire. Mais si c'est eux qui nous donnent l'ordre, est-ce qu'on doit leur obéir et faire le djihad sur érogatoire ou est-ce qu'on a le droit de refuser ? Là, t'es. Je sais pas. Pourquoi ils ont mis en condition justement la liberté des deux parents pour le djihad? Parce que s'ils ne sont pas libres et que l'enfant il est libre, il n'a pas à leur demander leur autorisation. Ça c'est pour toutes les massaïdes, enfin, pour tous les ordres, ou est-ce que ça concerne seulement le djihad? L'AD. Et aussi, est-ce que cette masala, est-ce qu'il y a un qiyas avec le Aïn par exemple si, l'enfant il va aller par la Bédarine, il doit voyager, etc. Est-ce qu'il a besoin de l'autorisation de ses parents ou pas ? Non. Donc on a dit l'al-Qaïda que les obligations à titre individuel se passent des permissions. Ce qui veut dire que si ce n'est pas une obligation, on a besoin de la permission. Donc pour Talab al-Ilm, celui qui voudrait voyager pour étudier la science par exemple, on regardera le jugement de son voyage.
si il est obligatoire pour lui de voyager pour demander la science, dans le sens où il ne peut pas demander la science là où il se trouve, et qu'il ne peut l'obtenir qu'en voyageant, et que cette science-là lui est obligatoire de l'avoir, alors il n'a pas à demander la permission de ses parents. Et que même s'il lui refuse, il partira quand même. Si par contre, cette science-là elle est accessible sur place, disponible, et ou cette science qu'il veut rechercher à l'étranger, elle n'est pas obligatoire, alors il devra avoir la permission de ses parents. Wallahu a'lam. Puis-je rater la prière en jama'a au moment de vos cours? Ah, le frère, il est à la réunion. Le département, il n'est pas dans une réunion au travail. Bon, je sais, c'était facile. Donc, il est à l'île de la Réunion et il y a un décalage de 3 heures. Et le frère, il nous demande est-ce qu'il peut rater la prière en jama'a. La prière en jama'a, c'est obligatoire. Ça? Et le cours, alhamdoulilah, il est enregistré et il peut l'écouter plus tard. On ne va pas rater la prière en groupe pour assister au cours. À moins qu'il puisse faire la prière en groupe chez lui, mathalan, alors à ce moment-là, il pourra prier en groupe chez lui, parce que chez le Hanabila, ce qui est obligatoire, c'est de prier en groupe, même si ce n'est pas à la mosquée. Wallahu a'lam. Donc si par exemple, il peut prier en groupe sans sortir de l'heure de la prière jusqu'à la fin du cours, yani le temps d'écouter le cours jusqu'à la fin, alors la haraj, inshallah. Si par contre, il ne peut pas prier en groupe chez lui, ou bien le temps que le cours y finisse, l'heure de la prière sera sortie, alors il prie d'abord. Wallahu a'lam. Alors, les 40 jours du ribat et les 40 jours de sortie que les frères Tablir pratiquent, ont-ils un lien? Il va falloir demander à eux, les frères. Hein? Mais à l'époque où je faisais moi-même le khuruj, car oui, je l'ai fait, et j'avais entendu, moi, que c'était en rapport avec Moussa, quand il est parti 40 jours. Après, je sais pas. Après, sinon, que ce soit ça ou ça, ça n'a pas d'asl dans les deux cas, donc... Mais c'est vrai que les frères de Jama'at Tablir utilisent beaucoup les textes du djihad pour justifier le khuruj. Hein? Le hadith, c'était quoi le hadith? La radwatun fi sabilillahi awrah, khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Mais ça, tous ces textes-là, ils font référence au djihad, ils ne font pas référence au khuruj. Kama yaqulun. Mouhim, aslah Allah jami'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alors, on a Inès qui nous demande le jugement de lire le Coran en phonétique. Déjà, ça n'a pas de rapport avec le cours. Mais on va répondre quand même. Et on avait déjà répondu à cette question d'ailleurs précédemment, quand on avait parlé, quand on avait étudié le livre dans le Sourate Tafsir, de Cheikh Al-Athamin Rahmatullahi Alayh. Taïb, c'est pour ça, mes frères et sœurs qui suivent les cours sur Internet, que ce soit sur Telegram ou YouTube, je comprends que vous ayez des questions, mais nous, on n'est pas dans une séance où on répond aux questions. On est dans un cours où on étudie des sujets précis. Parce que si on ouvre la porte aux questions comme ça, on va se disperser et on va perdre du temps. Al-Muhim, il n'est pas permis de lire le Coran en phonétique. Le Coran a été révélé en arabe et doit être lu en arabe. Si on ne sait pas lire l'arabe, alors on va chez quelqu'un qui connaît l'arabe et qui nous fera répéter le Coran. L'Iqra. On va dire « Alhamdou », tu répètes « Alhamdou ». Et on apprend l'arabe. Et apprendre la lecture n'est pas quelque chose de difficile qui prend du temps. Mais généralement, quelques jours suffisent à quelqu'un d'adulte pour faire le tour des lettres et commencer à pouvoir lire. Ensuite, la personne qui ne peut pas lire le Coran en arabe et qui n'a personne pour lui permettre de le faire, yani de lire le Coran pour qu'il répète après, pourra toujours écouter le Coran. Et il sera récompensé de la même façon que celui qui le lit. Donc moi, j'invite ces personnes-là à prendre le Coran en arabe et d'écouter des lecteurs qui lisent le Coran et de suivre la lecture en même temps. Et ainsi, ils auront la même récompense que ceux qui lisent. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.